régent de la matière. L'humain peut en lui-même retrouver une présence s'il sait que l'existence sur Terre est un instant. S'il discerne que le temps est fait pour l'expérience, la vie vient de l'amour d'un être encore plus grand. Le but est d'énoncer pour poser le contexte. Agir même en parole est meilleur que le dire. But est précisé pour clarifier le texte, pour que ce qui l'écoute saisisse ce qu'on en tire. Ce que je dis lumière, je dis ordre premier. Aucun savoir ne vient de l'invention humaine. Prendre un élément fait le cœur témoigner. Aucune plaie ne perdure si l'amour nous entraîne. On croit que si on s'élève, on fabrique les hauteurs. Les humains se soulèvent par peur ou par colère. Aucun de ces remous n'est remède au malheur. L'humain pense que le calcul reprogramme l'univers. Vers le haut on se tourne si l'appel est perçu. La foi est signature, les œuvres trouveront limite. Vie a bien un sens, bien des signes sont reçus. Discerner où l'on va n'est pas soigner sa fuite. La fonction du vivant fait germer la conscience dans le corps qui se tient debout sur la poussière. La poussière de son corps voile au monde l'évidence qu'un esprit vit dans l'homme régent de la matière. L'humain peut en lui-même retrouver une présence s'il sait que l'existence sur Terre est un instant. S'il discerne que le temps est fait pour l'expérience, la vie vient de l'amour d'un être encore plus grand. La Terre est le théâtre d'une histoire essentielle. Les êtres qui y sont viennent d'une initiative. L'esprit qui les a faits a demeure spirituelle. C'est celui de cet ordre d'où émerge de quoi vivre. La vie vient de l'ordre et l'harmonie l'enfante. Le chaos est néant, rien ne naît par zéro. Supposé sur le seuil d'une maison élégante. Mais pas connaître la vie, non plus comprendre ses mots. La Terre a des problèmes et qui l'aime est patient. Les humains se confient dans ce qui part en poudre. Porté par l'intérêt, on ne peut être conscient que nos fils n'auront pas nos erreurs à résoudre. En vérité se tait, c'est la mort d'innocents. Les ententes de surface favorisent le mensonge. Parasite de la vie, versant sur terre le sang. Dans la vie en sommeil, la justice est un songe. La fonction du vivant fait germer la conscience dans le corps qui se tient debout sur la poussière. La poussière de son corps voile au monde l'évidence qu'un esprit vit dans l'homme, régent de la matière. L'humain peut